Coucou tout le monde, c'est Nathan de retour sur Here They Lie. Pour la suite de l'aventure dans ces tunnels très inquiétants après avoir vu un petit peu le soleil de l'extérieur là. Alors je crois que j'ai pas trop compris comment le jeu sauvegardait parce que j'ai dû me refaire tout l'intégralité du chapitre en fait, hein, depuis tout le début de la ville. Et puis avec ce personnage qui avance assez lentement, c'est pas très simple. Alors, vous m'excuserez. Putain, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Putain, c'est vrai que je peux bouger la lampe. Vous m'excuserez si j'ai une voix un peu bizarre ou si, comme d'habitude, il y a des raclements de gorge ou des reniflements, c'est que je suis un petit peu malade. Comme je peux pas courir, très bien. Si, je peux. On va aller par là. What the fuck? Mais qu'est-ce qu'il me fait? What the fuck? Où est-ce que je vais là? Ah, je suis dans sa tanière! C'est l'impression que ça me donne. Ah, il y a une flèche là, déjà. Alors. J'ai vu qu'il y avait un autre passage un petit peu plus loin. Alors j'étais à la lampe torche, on pourrait économiser des piles. Je suis désolé, vous verrez absolument rien. Ou pas grand chose en tout cas. Là, par contre là, je vois que dalle. Hein. C'est par là que je voulais aller voir. C'est étrange quand même cette... J'ai l'impression que la lumière s'enlève quand je passe en dessous. Ah bah j'ai bien fait de venir, il y a une note. Ah mais attendez, je vois rien du tout là. Putain. Voilà. Parce que j'avais la main à travers la porte, c'est normal. Ses amis lui ont dit de venir jouer dehors avec eux. Ils l'ont conduit loin, très loin, pour que personne ne puisse les surprendre. Et ils l'ont battu de toute leur force. Ils l'ont brisé. Il réclamait sa mère en larmes, les dents cassées et le corps meurtri. Toujours pas trop d'idées d'où ça va nous mener. Hein. Merde, attendez. Non, je vais où, hein? J'ai loupé. Non, c'est là, putain. Regardez, dès que je passe en dessous, hop, j'ai plus rien. Enfin, je sais pas, non, c'est peut-être normal en fait. Il a pas l'air de. Oh, il me donne des piles, c'est gentil! Ah putain, j'ai oublié de désactiver les trophées, bordel. Merci, madame. On peut pas voir son visage là? Il faut dire que je change, super. J'ai l'impression qu'ils ont pas de visage. Ok, il va faire une sieste ou je sais pas. Bon. Elle me suit toujours. Trop bien. Ah.
Quoi? Ah, j'ai le choix. Entre lui et lui. J'ai entendu dire qu'il y avait plusieurs fins dans ce jeu. Hein. Donc moi, je vais écouter mon cœur. Et si on voit son visage, là? Je sais pas si j'ai eu la bonne idée. Il est parti? Ah. Les énergies négatives. J'avais cette lumière qui continuait de se battre, tu vois, qui me gardait sain d'esprit. Franchement, c'était chelou. Quelque chose voulait me faire régresser, genre que je devienne un drogué, un gros raté, quoi. Fallait que je combatte ça et que je continue à vivre. Nouveau lieu avec encore une sacrée ambiance. Avec une verticalité impressionnante encore une fois. Alors j'imagine qu'il va falloir que j'évite celui qui est là. Qu'est-ce que c'est que ce monde de taré? Esprit. Luxure. Ok, bon. Il est en train de défoncer un autre gars là, ou...
Ok, bon. Je sais pas. Je sais pas, putain. Encore ces mêmes rapports, mêmes journaux, encore et encore. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je vais plus jamais faire ça. T'as dit que ce serait marrant, mais tu t'es barré, je sais pas où, et quelque chose approche. Et oh mon Dieu, pas les doigts, s'il vous plaît, pas les doigts. Il est là. Le truc, c'est qu'il y a plusieurs passages, je sais pas où je vais là. Et me suit lui, d'accord. J'imagine que je vais pas m'approcher de lui. Je sais pas trop où aller. Hein. Parce qu'il y a ce pont là aussi, de l'autre côté de ce pont. Ah oui, il y en a un autre ici. Qu'est-ce qu'il fout, putain? J'ose pas m'approcher, hein. Je vois que le gars est armé. Il fait des grognements bizarres. Pas l'impression qu'il y ait grand chose à faire ici, de toute façon. Je vais éviter d'aller par là. Allez. Très bien. Tu veux que je te pousse aussi, non? Bon, ok. Ah, ça y est, je suis arrivé dans leur ville, j'ai l'impression. C'est
tellement barré comme univers. J'adore. Ok, je suis dans le quartier du... Quartier porno là, j'ai l'impression, hein. Ouais. Carrément, le quartier de la débauche, total. Ils ont décidé de fermer la porte à clé, de s'immoler par le feu, ils voulaient que je regarde. C'est une bonne idée d'aller par là. On va éviter. Moi, je vois un type armé, ça me... Un petit peu comme dans la vraie vie, hein. Si je vois un type avec une batte de baseball dans la rue en train de grogner, je vais pas trop... m'en approcher. C'est dingue. Putain. J'ai l'impression de pas être dans le bon quartier là. Ça va être de pire en pire. Pour son gamin, ou Jordan s'en forcera n'importe quoi. Ouais, je sais que c'est... Je pense que personne ne devrait. J'imagine que c'est cool de voir le monde, ou je sais pas, de l'art qui en jette. Mais je pense qu'à part ça, ça sert à rien de vivre. J'ai vraiment beaucoup de mal à parler, à savoir de quoi il parle. Il y a beaucoup de... Beaucoup de conversations. Ils sont en train de me suivre là, non? Putain, oui, ils bougent, merde. Ah tiens, j'ai loupé des piles, je crois. Hop, allez, on s'en va. Il y a beaucoup de bouts de conversation sans qu'on ait de contexte. Oh putain, je l'avais oublié lui.
Ils sont toujours en train de balancer des parpaings, eux. Qu'est-ce qui se passe ici, bordel? Ils sont complètement bourrés. Ah bah, elle est pas que bourrée. Bordel, mais elle nous fait une overdose, là. Oh la vache, mais Ah, ok. Ils veulent que je balance un parpaing. What? Ok, je sais pas quoi dire, hein, je...